Bonjour à tous, c'est Thomas de chez DefiTech. Alors une petite vidéo pour vous expliquer simplement les nouvelles fiches énergétiques sur les appareils. Alors c'est extrêmement simple, on va vite voir ça ensemble. La consommation électrique d'un four évidemment électrique classe A+. Donc c'est un four qui consomme très peu. On va de la classe D la plus mauvaise à la classe A+++ les meilleures. Comment arrive-t-on à cette nouvelle norme énergétique ? Par la meilleure qualité de l'air utilisé, de la chaleur utilisée à l'intérieur et la qualité donc des moufles. Donc vraiment le revêtement intérieur et ils sont plus hermétiques, plus étanches. Donc on arrive vraiment dans des appareils classe A, A+, A++. 71 litres, donc c'est la capacité utile du four à l'intérieur. Vous le verrez, c'est très utile des fois pour savoir les petits fours des grands fours. Donc c'est quand même des fiches qui peuvent être très pratiques. Deux choses qui ont changé, les consommations maintenant, mais en chaleur conventionnelle, résistance haute et basse, sol et voûte. Donc là, 0,87 kWh par cycle. Donc là, vous voyez vraiment les différences entre une chaleur conventionnelle et une chaleur pulsée. Chaleur de sol, de voûte et le ventilateur qui brasse derrière. Donc ça, c'est vraiment pour bien vous montrer les différences de consommation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Regardez les autres vidéos consacrées au label énergétique, notamment sur les aspirateurs et sur les hottes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez sur Facebook, partagez à vos amis et vos parents si vous aimez. Laissez-nous des commentaires, Pinterest et notre webshop. Et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres astuces. Ciao !